Bonjour et bienvenue, on commence direct par le sérieux, pas de chichi. En étant habillé et en fin de journée. Vous vous doutez bien que à poil et en ayant fait le vidage intensif du corps, on est en dessous de 105 kilos. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. J'ai revu récemment des images de moi au Japon l'année dernière et je me suis trouvé dégoûtant. Bon, bien entendu, on va pas en rajouter, mais je me trouvais vraiment bien plus gros, c'était visible. Ne serait-ce que quand j'avais le petit cosplay Tajinbu ou quoi, c'est impressionnant. À cette époque-là, je dépassais les 120 kilos. Heureux de voir que là, on est en bonne route pour aller en dessous de 100 kilos. Et tout ça à la veille du semi-marathon de Paris. Le semi-marathon, c'est demain. Je me suis entraîné sérieusement en ce mois de février, juste après la course du 10 km. Pas autant que j'aurais voulu. J'aurais aimé pouvoir pousser souvent à 3 séances semaine. Malheureusement, j'ai dû faire 2 séances semaine pour la simple et bonne raison que j'ai lancé un restaurant et que j'ai eu beaucoup de projets. N'hésitez pas à venir à bouffer à la Casse d'Allery, mais pas si vous courez. Moi-même, en un mois de lancement de mon resto, je n'y ai mangé qu'une seule fois. Mais c'est très bon. Maï ! Ça fait tic tic tic. Pourquoi ça fait bip 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 quand je tourne? T'as ouvert la vaisselle. Ouais, j'y ai mangé une fois. Allez, deux fois. J'ai mangé une fois pour le lancement et une deuxième fois pour une séance photo. Voilà, excusez-moi. Effectivement. Non, bah, t'as pas mangé, hein. Si, j'ai mangé à la fin. Ah, ouais. Ah oui. Aujourd'hui, on se retrouve. On est la veille du semi-marathon. Comme je vous disais, la préparation s'est bien passée depuis le 10 km. J'ai pu m'entraîner pas autant que je le voulais, deux fois en moyenne par semaine. Donc, toujours deux fois minimum et de temps en temps trois fois. Sauf que, avec tout ce que j'ai eu à faire ce mois-ci, le lancement du resto, les différents trucs, les différents machins, c'était compliqué de faire plus. Malgré tout, je me sens prêt. Ma préparation a été solide. En début de semaine, j'ai eu justement mon dernier fractionné avec mon dernier footing de 45 minutes, les sensations sont bonnes, je me sens léger. Cette semaine, j'ai adapté mon alimentation, j'ai mangé extrêmement sain et sans spécialement de dépassement ou quoi. Un seul seulement, ça a été un petit cookie. Maison hier. Voilà, je l'avoue, mais au global, je me sens bien et je m'apprête à faire ce semi avec un truc qui n'est pas conseillé. Mais j'ai déjà fait trois séances, avec. J'ai changé de basket. Alors en fait, il se trouve que j'ai fait récemment une sorte de partenariat avec New Balance. Et en fait, ils m'ont fait essayer ces baskets et j'ai flashé dessus. Genre, j'ai plus kiffé que l'ancienne paire que j'avais, dans la mesure où ça prenait beaucoup plus mon pied, dans la mesure où c'était beaucoup plus efficace pour moi dans ma course. Ça rebondissait beaucoup mieux et j'arrivais à avoir un tempo supérieur. Et donc du coup, je me suis laissé 3 séances avec, ce qui m'a permis quand même de m'y habituer un peu. J'ai discuté avec Dorian, je lui ai dit, est-ce que je peux, est-ce que tu penses que c'est à faire ou non? Il m'a dit, bon, allez, ça peut passer, tu peux y aller. Aujourd'hui, on est à la veille, donc on va aller faire une petite sortie après, une sortie légère pour activer les jambes la veille de la course. Donc on va aller courir un 10-15 minutes, sachant qu'il pleut des cordes, donc je vous cache pas, c'est plus pour l'image qu'autre chose. Et on va aller, voilà, courir, se la donner un petit peu. Je me suis rarement senti... Ah! Aussi léger et capable de ma vie, mon pote! Là, je me sens bien. Donc du coup, demain, on va courir 2 heures. Je vise plus précisément en dessous des 2h30. J'ai couru mon 10 km en dessous d'une heure 10. Je sais qu'il suffit pas de doubler, parce qu'en réalité, dans la deuxième partie de la course, ça risque de ralentir en termes de rythme. Regardez un petit peu le parcours. Le parcours est particulier. Tu fais 5 premiers kilomètres dans Paris. Ensuite, tu arrives au bois de Vincennes, où tu fais une sorte de boucle géante de 10 km en passant par le château de Vincennes. Puis ensuite, tu en ressors. Il reste 5 derniers kilomètres avec justement des montées et des descentes. Et en plus, demain, je suis suivi par nos amis de France TV qui couvrent également ma préparation du marathon avec un reportage. Et demain, j'aurai un coureur avec moi qui va courir à côté de moi et qui va me permettre justement de me filmer. Et ce sera des plans un peu moins vomitifs que la GoPro foutue sur le torse. Donc, ça permettra d'avoir des images encore plus quali. Niveau bouffe, on se situe toujours sur quelque chose de cool. Donc voilà, toujours un de mes repas typiques, hein. Viande maigre, voilà de la dinde, avec des haricots, des nouilles, hein, on a de la variation. Mon ami Tarek, qui est Saleh, me fait toujours des plats vraiment comme ça. Et j'ai commencé à introduire de manière supplémentaire des petites choses que je prends soit au petit-déj, soit de temps en temps à 17-18h comme collation. Et c'est sur le conseil d'Alix et un peu de ce que j'ai compris aussi moi-même de l'alimentation, parce que je pense que faire les choses comme un robot, c'est pas forcément le plus intéressant, il faut aussi pouvoir comprendre ce qu'on mange et pourquoi. Donc du coup, je vais vous montrer typiquement une collation que je fais. C'est parti, c'est le moment, ça cuisine. Et voici les
les amis, un exemple de collation, une tartine fibrée Waza avec un carré frais de 0% à 1/2, une petite tranche de dinde halal et deux tomates cerises coupées. C'est bien entendu, t'en manges pas 14 par jour, mais une petite comme ça, ça passe bien. Avec toutes ces conneries, maintenant j'ai faim à heure fixe. C'est important que je me sustente au moment précis où j'ai faim pour pas traîner, parce que plus je traîne la faim, et plus derrière j'ai envie de croquer dans un truc un peu moins sain. Pour mes gourmands, il existe une variante de ça, mais avec de l'avocat. Ou alors des fois du saumon, je vous laisserai aller voir sur internet, c'est des petits os, ça passe. Là où je vois que mon palais est passé d'un palais de Doberman ou de Fox Terrier à un palais un peu plus adulte, c'est que maintenant, j'apprécie un truc en particulier. Le 85% commence à avoir du goût pour moi. Un ou deux carrés ici et là, ça passe bien. C'est ok, je peux me le mettre un peu en morceaux dans du skyr, avec peut-être un petit peu des fois de granola, ou de miel, mais de vrai miel, pas le sirop de glucose pourri. Si vous avez les moyens, bien évidemment, achetez du vrai miel chez des vrais producteurs. Le truc à 25-30 euros le kilo, je sais c'est extrêmement cher, mais vous pouvez trouver des pots de qualité. Et là vous avez les avantages du miel et pas l'horrible sirop de glucose tarti miel et mes couilles qu'on trouve en supermarché. Faites attention à ça, c'est important. Les producteurs locaux, dans la mesure du possible. Et ça permet de perdre du poids. Et autre truc enfin pas conseillé, mais qu'on va faire pour demain. Demain, je vais avoir également besoin sans doute d'un peu de forme, de puissance. On va essayer ces merdouilles. Donc c'est des gels de sport, des hydrogels à consommer pendant la course qui permettent de remettre de l'énergie dans le corps. C'est assez agressif, on m'a dit, surtout au niveau de l'estomac, ça pouvait être un peu... voilà. Mais on m'a aussi dit qu'au 15e kilomètre, quand t'es un peu comme ça, on en m'en prendre un, ça pouvait aussi avoir un petit effet. Alors pas forcément le premier au 15e kilomètre, on m'a dit que pendant la course, c'était possible d'en prendre plusieurs. Ça fait donc deux choses qui ne sont pas conseillées. La nouvelle paire de baskets, avec lesquelles on s'est quand même un petit peu entraîné. Les gels, mais c'est toujours très encadré. J'ai maintenant très hâte de faire cette course et de vous emmener avec moi. Là, on va aller courir un tout petit peu sous la pluie parce que j'ai une nouvelle montre aussi. Il faut que je la calibre. Et puis, on va réveiller le corps un tout petit peu la veille de la course. Et c'est parti. On retourne sur le lieu du premier épisode où je faisais des tours là un peu comme un gnou. Il n'y a personne, il pleuviote, c'est le soir. Veille de course, comme je l'ai dit, 15-20 minutes, histoire de réchauffer un peu le corps, de le remettre un peu à l'effort après 3 jours complets de repos. Quelques lignes droites pour faire monter un peu le cardio. Quelques tests sur la nouvelle montre. Voilà, j'ai pris une Garmin pour ne pas les citer. Attends, circuit, allure. Petite vidéo du frérot Willou. Let's go, allez, tranquillement, un petit quart d'heure, histoire de chauffer un peu les jambes. Bonne sensation, hein. Franchement, je me sens très léger là. Les 2-3 jours ont fait leur effet, donc ça régale. Donc maintenant qu'on a fait un petit quart d'heure, qu'on a pu tester la montre, etc., on a fait 1,65 miles, 2 km et quelques. Donc ça veut dire qu'on était autour de 7 minutes au kilomètre, ce qui est le rythme que je vise demain. Et donc là maintenant, c'est le moment de faire des lignes droites. Ligne droite pour faire monter le cardio. Et ligne droite pour voilà, kiffer un petit peu. Moi, ça me permet de voir si ma montre prend bien et ajoute bien sur Strava parce qu'on est bien sûr un prouveur et que le côté réseau social qui permet de partager ce qu'on fait est très gratifiant. On en fait 3-4, on fait chauffer un peu le tout et c'est parti. Voilà, on a dit faire monter le cardio, c'est chose faite. C'est pas les mêmes sprints que France-Espagne, non? Ah non, non. Là, c'est pas les mêmes sprints que France-Espagne. Hein. Là, avec cette vitesse, le ballon, je l'aurais eu 3 fois, j'aurais même eu le temps de dribbler le gardien. Bon, plus sérieusement, voilà pour les lignes droites, voilà pour l'échauffement. L'épreuve finale, juste avant le semi-marathon de Paris, est terminée. On se retrouve demain matin pour la course. C'est parti. On se retrouve jour de course. Nous sommes le dimanche 3 mars. Il est 9h03. Je suis réveillé depuis 4h30. Qu'est-ce que t'as envie de faire, frère? Je me suis couché à 22h. J'ai ouvert les yeux à 4h30. J'étais en forme. J'ai pu justement
me préparer mentalement, physiquement, prendre un petit déjeuner, fromage blanc, porridge, la sorte de céréales un peu dégueulasse, et une banane. Voilà. J'ai des gels, j'ai la tenue, et je suis prêt à y aller. On va y aller avec les autres membres du Team France TV, avec Caroline, Laurence et Robert Pires, qui fait également partie du programme. J'ai de bonnes sensations aujourd'hui. Là, je sens que mes jambes, là... Ah, tu sens la foudre. Donc on a envie d'y aller. Et vu qu'il faut se mouiller, malgré tout en termes de temps, en dessous de 2h30, ce serait bien. Et le maximum que j'ai couru dans ma vie, j'ai déjà dit, c'est du 1h40, 45. J'ai jamais fait 2h30, donc on verra jusqu'où on va pousser le corps dans ces derniers retranchements. Mais voilà, c'est ce qu'on vise aujourd'hui, c'est parti. Je suis avec monsieur le coach d'Orient, celui qui suit mes entraînements. Quelles sont tes impressions? Je suis pas inquiet, je suis vraiment fier. Vraiment, je suis fier de toi. T'es un élève assidu, tu fais le job. Et aujourd'hui, tu vas voir, tu vas prendre du kiff. Ça va être un peu long, mais j'ai aucun doute sur le fait que tu finisses. T'as un mental et tu l'as prouvé sur l'entraînement. Donc aujourd'hui, c'est que du kiff. On est aux 10 km, je me sens mieux, beaucoup mieux, notamment parce que enfin je suis chaud, mon corps va bien et j'ai aussi utilisé un demi-gel aux alentours de 35 minutes et là je viens d'en avaler la deuxième partie. C'est la première fois que j'en prends donc je saurais pas en dire l'effet, mais j'ai eu du mieux, ça fait du bien, donc là je me sens très bien. Plus qu'un tiers. On arrive dans le dur. Il reste moins de 3 km. Enfin 3. On va attaquer le dernier kilomètre. Ça va? Ouais, ça va. Le mental prend le dessus sur ce moment-là. Je suis heureux. On est en dessous des 2h30. Je suis arrivé et j'ai réussi à terminer le semi-marathon de Paris 2024. Pour cet épisode de Plus Jamais Lent, ça me fait super plaisir. Quand on a commencé, je commençais les entraînements. J'avais déjà repris la course, mais on commençait vraiment la série. Quelques épisodes plus tard et à 5 mois de l'objectif global, donc le marathon pour tous des JO, j'ai réussi à en faire techniquement 50%. Je suis extrêmement fier de moi. Je pense que vous l'avez vu, à la fin, j'étais un peu ému, pour être honnête, parce que... Tout est remonté, les efforts, les séances, l'implication, tout.
et je suis extrêmement content. Pour vous débriefer un peu tout ça, les 30-40 premières minutes, j'étais normal, pas hyper bien non plus, parce que j'ai pas pu faire un super échauffement. Et aussi parce que j'avais un petit peu le petit déj de ce matin, même si je l'ai pris plus de 3 heures avant la course, qui m'était un peu sur le ventre. À un moment, j'ai quand même eu même une sorte de début de point. Pas un point de côté, mais voilà un petit truc, je me disais, oh là, ça va être long si je commence à l'avoir au bout de 20 minutes. Puis c'est vite parti, au bout de 30-40 minutes, quand j'étais chaud, ça allait très bien. De 40 minutes à 2 heures, grosso modo, c'était très bien. Une allure à 6,45, 7 minutes au kilomètre, des fois même du 6,38, 6,39, donc ce qui était au-delà de mon objectif. Et j'ai réussi à avoir une très bonne régularité. Et ensuite, passer 2 heures, donc quand vous regardez la boucle, tu re-rentres dans Paris, ça allait encore. Et là, t'as des montées, des descentes, des faux plats, des machins, c'est terrible. Et arrivé aux environs de Bercy, un peu après le dernier ravitaillement qui est à 16,5 km, ça a commencé à être compliqué. C'était les 3-4 derniers kilomètres quand tu rejoins les quais. Et à ce moment-là, c'est le mental qui prend le pas. Parce que moi, j'avais les jambes lourdes. Des fenêtres de performance où je n'ai jamais couru. C'était la première fois que je découvrais ça. Et j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit de moi, mentalement, physiquement. Et c'est ça qui me rend aussi heureux d'avoir réussi à le faire. Et après, le dernier kilomètre, voilà. Il y a la foule, il y a les gens, il y a l'ambiance, donc ça aide. Et l'arrivée sur la ligne, bah, j'étais assez ému, hein, je pense que vous l'avez vu. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai les jambes carbonisées. Les chaussures comme ça, pas de soucis, elles ont été nickel, elles ont fait exactement leur rôle. Elles m'ont permis d'assurer mon tempo avec une régularité top. Et les gels, ouais, alors les gels, aucun problème. J'ai pu prendre mes petits gels et tout. Je me suis juste arrêté de faire pipi un moment, voilà, si vous voulez tous les détails. Donc peut-être que ça m'a fait perdre 40 secondes, voilà, peut-être qu'on aurait pu gratter une petite minute. Mais sinon, sorti de ça, super, les gels m'ont vraiment fait un bon effet. J'ai pris le premier vers 35-40 minutes justement. Donc quand j'ai eu un mieux dans le bois, je me suis dit, oh, peut-être que c'est ça. Sûrement d'ailleurs. Mais en tout cas, super. Super course, super objectif. Merci, merci. Merci aux gens de mon équipe qui m'aident à produire ça, à France TV pour l'opportunité. Merci à vous de suivre. Vous étiez tellement nombreux sur le parcours à m'encourager, zack, machin et tout. Et dans les moments les plus durs mentalement, c'est là où ça met un vrai boost. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. La série continue et on va continuer jusqu'à y aller. Le fucking marathon des JO, on le fera. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.